Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir Paris, bonsoir le monde. Nous dit bonsoir, tous deux pendamment, quand on fait nos plaisirs branchés. Et à regarder cette vidéo, ça, on a rappelé que nous, en direct depuis la région Île-de-France, nous venons rencontrer, mesdames et messieurs, Anne-Louise, mes adieux, pour nous faire un gros chute, attendez, avec lui, en direct depuis la région Île-de-France. Nous rappelons tout le monde qui fait nous plaisir branchés, partager le live, monde qui branché Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, la France, les villes, provinces, nous en direct depuis la région Île-de-France. Côté nous venons rencontrer Anne-Louise, mes adieux. Côté nous pral décortiquer, côté nous pral faire un gros shit, attendez, avec les concernant, mesdames et messieurs, gros tremblement de terre, ça qui passé, qui fait, encore une fois, dans le pays d'Haïti, jour qui était 14 août 2021. Nous connaissons un pile problème, nous connaissons un pile bagaille qui a géré. Mais là, nous allons rentrer dans la région Île-de-France. Nous allons partager le live, nous allons encore une fois. En même temps, nous allons faire une petite visite. Rapidement, bel bâtiment. Nous saluons, mesdames et messieurs, la présidente de la région Île-de-France. Et bel bâtiment, bel bagaille, bagaille sérieux. Côté, nous allons rencontrer avec Anne-Louise, mes adieux, depuis Paris, plus précisément du côté de Saint-Ouen, la ville de Saint-Ouen, où est implantée, mesdames et messieurs, la région Île-de-France. Nous allons rentrer. Nous allons le faire vivre en direct, mais nous comme ça avec nous. Voilà, là nous sommes direct depuis région Île-de-France, côté de direct, côté nous allons faire une belle visite. Nous allons décortiquer, mesdames et messieurs, nous allons le voir là. Anne-Louise, mes adieux. Et bon bagaille, nous rentrons. Nous prenons rapidement, encore une fois, faut vivre et interview ça en exclusivité. Côté, nous prenons faire un bel travail pour vous. Ok? Anne-Louise, nous ne pouvons pas faire une petite visite dans la région, faire visiter, présenter plusieurs, plusieurs salons qui gagnent. Bon, direct là, Fofon. Direct, oui. Bonsoir. Direct naf sur vous, faites une visite guidée. Non, mais là, c'est vraiment une visite, on va dire, rapide, parce qu'on ne peut pas le monter en l'air. Mm-hmm. Mais nous avons plusieurs salons, nous avons plusieurs étages. Ouais, bien, plusieurs étages, bon, là, c'est l'entrée. Hein. Okay. Nous avons plusieurs entrées. Donc là, il y a l'hémicycle Simone Veil. Okay. Et puis. On montre les photos Simone Veil. C'est immense. Ouais. Donc, Macron a mis le petit live. Donc, en tout cas, bonjour, bonsoir. Tout le monde qui a regardé, tout fanatique pour faire musicaux et puis tout compatriote. Justement, j'étais en train d'échanger avec la directrice de cabinet de la présidente Valérie Pécresse, justement suite à des réunions relatives aux aides, notamment. Ok, Anne-Louise, Nabdio, et merci parce qu'on a accepté et belle invitation ça qui a été lancée. Et première question, nous allons poser rapidement pour tout le monde qui fait nos plaisirs de regarder. Le jour qui était 14 août, là, on était apprendre le tremblement de terre, ça, à nouveau sur Haïti. Et à qui ça a pensé 10, 15, 20 minutes après, qui ressenti ou t'es gagné, comment ouais bagaille, comment comprendre bagaille. Et... moi, pas bon menti, l'aime temps des tremblements de terre, là, j'étais tellement choquée. Dans un premier temps, nous compte qu'on est le nombre de dégâts dans les 15 premières minutes. Mm-hmm. Et puis, première réaction, on me dit, oh non, mon Dieu, pas encore, parce que. Et 12 janvier 2010, moi songé et qui est fait, le fait sous moi, parce que je fais ton 12 janvier, donc 12 janvier c'était fait moi. Donc ça veut dire, je me toujours dit, moi, vraiment très attaché à Haïti, parce que je fais ton 12 janvier, et 12 janvier, tremblement de terre. Donc 14, le même temps, des balades, pas bon, moi aussi, moi, je dis, oh, non, pitié, non, pas de besoin de ça, parce que on apprend coup sous coup, okay. Assassinat président, problème d'instabilité institutionnelle, absence de tout, et puis Kounia, pour nous, on vient de frappe, tremblement de terre là. Et au fur et à mesure que j'écoute et que nous avons rentré dans le dans jour, dans la semaine, donc mm-hmm. là, je regarde mon tweet de Robertson Geoffroy de Magic 9 Novelis qui a dit nous passons à plus de 2200 et quelques morts, sans compter wow. Moun qui rejoignent encore, sans compter des zones que Moun pourront accéder, mm-hmm. parce que vous comprenez qu'il y a le en dehors, pas de route, pas de machine, c'est soit aller à pied ou bien ce soit aller sous bourrique. Donc wow. Imaginez, ça veut dire que Pitak a toujours pitrice, parce que je pense qu'on va avoir encore plus de.
plus de pertes humaines, sans compter bon matériel, n'en parlons pas. Donc l'autre nous va commencer à sentir tristesse, sentir désolation, et pour pas pouvoir vivre bagaille ou passer Jeanne, ou passer Iki, ou passer 12 janvier, ou passer Mathieu, pour tourner dans ça encore et pour t'étendre des grâces qui pas loin. Donc comment dire, en tant qu'originaire d'Haïti, on ne peut être qu'ébranlé. C'est comme si nous encore un genou à terre, quoi, un genou encore à terre. Ok, nous dit encore une fois, nous en direct, mesdames et messieurs, depuis la région Île-de-France, plus précisément du côté de Saint-Ouen, Paris, France. Nous saluons distinctement tout le monde qui fait nos plaisirs branchés. N'hésitez pas surtout à partager le live sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Live, nous en direct, nous avons Anne-Louise Mesadieu qui recevra nous dans la région Île-de-France. Quand on a posé deux ou trois questions concernant 14 août. Alors qu'on a, si nous allons aller en profondeur pour nous poser des questions en profondeur, maintenant, comment ouais et mon y a sensibilisé yo pour Haïti qui sont ouais tout sont ouais yo qui s'ac manqué qui s'ac pour fait, est-ce que mon y a pensé à 2-3 mois après, est-ce que Edio c'est des coups ponctuels, est-ce que Edio qui allait dans la durée, comment y a des mon y a et en tant qu'une femme qui a déjà confronté à ce genre de problèmes ou déjà fait bagarre ça ou déjà collaboré avec plusieurs organisations qui conseille, qui soit qu'à Dimounio, monde qui fait nos plaisirs branchés, tout le monde branché là, n'importe où. Enfin, premier magasin là, c'est que on va acquérir l'émotion parce qu'on est tous voilà, touchés par rapport à ce qui se passe en Haïti. Quand c'est on ça. Voit les images, on ne peut pas rester insensible et inerte entre guillemets. Ça c'est la première des choses, que qu'on soit haïtien ou non haïtien. Deux, donc ça veut dire que tout haïtien j'ai envie de collecter, on a tous envie de collecter des choses, de faire, de faire des appels à dons pour pouvoir venir en aide à la population haïtienne, notamment du sud très touchée. Après, il y a un autre aspect, c'est l'aspect géopolitique. Quand on soit regardé, ça va passer dans le monde, on va regarder l'Afghanistan, on va regarder Kabylie, on va regarder Tunisie, c'est-à-dire que le peuple français est sollicité de partout. Wow. De partout, donc c'est-à-dire que l'aide, il faut avoir, je dirais, une oreille pour tout le monde. Donc on ne peut pas seulement penser okay. Voilà, avec Tunisien, avec le Liban, avec l'Arménie, on est obligé aussi avec Haïti. Donc ça c'est la première constatation. Donc que les gens de la communauté décident de collecter des choses, de faire des choses, de se mettre ensemble pour collecter, c'est une bonne chose. Donc moi c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire qu'il faut penser sur le long terme, parce que là on est dans l'émotion, ce qui est tout à fait normal. Okay. Il faut les produits de première nécessité, on a envie d'amener, de donner des tentes, de la nourriture pour pouvoir soulager. Mais ce qu'il faut penser, à une construction sur le long terme. C'est-à-dire que et nous, très émotifs, nous, très axés sur l'aide immédiate, ce qui est okay. tout à fait normal. Mm-hmm. Maintenant, il va falloir aussi se mettre d'accord, et fonti chita, pour pouvoir penser sur le long terme. C'est vrai que les gens ont besoin maintenant. Et d'ailleurs, il y a une vraie solidarité, je dirais, au niveau des Haïtiens sur place, des États-Unis, de la France, que je salue, ce que j'encourage. Après tout, il faut nous penser que plus tard aussi, que ces gens auront besoin de nous. Moi, une fois qu'il y a Pnantantio, ils auront besoin des petites maisons, ils auront besoin d'écoles, de santé, d'hôpitaux. Donc, c'est normal qu'on soit dans l'émotion, qu'on veuille aider immédiatement, mais aide ça offre nous une fois nous qu'à essayer faire sur le long terme. Ok, maintenant, donc on est en pile dans la communauté qui t'a appelé faire ce genre de choses. Il y a en pile qui manque d'expérience. Il y a un peu de monde qui n'a pas savoir-faire, pas auprès de qui est-ce que ça a qui a joué nos supports, par exemple, monde qui voulait faire, qui ont envie, qui voulait aider, mais qui franchement. Pourquoi vous dites que vous avez fait une visite, vous avez fait un touché ou bien vous avez été uniquement? Non, on a visite, on a marché. Non, on peut le faire soit là ou bien nous avons fait un éventuellement. Ouais, on va s'asseoir. Non. On va s'asseoir, c'est technique. Soir. Non, après. Il faut rappeler que nous sommes en région Île-de-France, côté nous avons. Oui. Anne nous a déjà avec nous, on a décortiqué, on a parlé de 14 août et tremblement de terre là, ok. Et puis donc ça veut dire bon, moi-même personnellement passé déjà après tremblement de terre là, j'ai voué 6 conteneurs et matériel à aller en Haïti, me changer okay. qui problème, qui galère que me déjoindre. On va s'asseoir. Qui problème, qui galère, me déjoindre une fois qu'on finit collecter matériel, matériel, donc c'est beaucoup de
beaucoup de mains, je dirais, hein, pour un paquet de monde à Bédo. Et d'ailleurs, les staffs Naomi Lazare, Léroï Lazare, Pascal Lazare, donc la famille Lazare, Original H, qui était pour mon paquet de mains, comme si on a collecté tout le côté dans toute collectivité Cap-Bay, après pour pouvoir envoyer les conteneurs. Moi, le problème que j'ai rencontré, c'est une fois que vous faites un conteneur, vous jouez des genoux aide pour vous, et à dire vrai. Quoi, où je pensais que c'était vrai conteneur au moins, 40 000 euros pour les conteneurs au moins. Wow. Après, une fois, les conteneurs arrivés, parce que tout mon âme, il y a une franchise, et pour vous, ils continuent à bailler mon nom, et puis finalement, mon nom ne doit pas une franchise. Et l'arrivée sous place, comme ça que c'est arrivé, les conteneurs arrivés sous place, les conteneurs pas de code douanier, donc du coup, il a fallu tout refaire. Et puis, dans le temps pour tout refaire là, chaque fois, je me toujours raconter ma ça, et puis mon dire, radoter. Mais une fois que vous faites payer, pour contenir la soupe franchise pour les douanes, c'est un coût. Et si on fait des marches pour franchise, ce qui peut se passer, c'est que faut payer côté pour entreposer conteneur. Moi, rien qu'en entreposage, je t'ai réclamé, on m'avait réclamé plus de 70 000 dollars US des frais d'entreposage pour des choses que j'allais donner en 2010. Hein, des choses, baba, elle me doit faire campagne. Oui, c'est pas, il n'y avait pas d'esprit de faire tout ce qui est campagne électorale. D'ailleurs, c'était vraiment pour aider en fait. Exactement. Donc, du coup, c'est vrai que ça avait, j'avais mis beaucoup de temps et grâce à M. Labousserre et à Adrien Castera de la Unibank, Unitransfer, il n'a fait que coût a été diminué. Okay. Et puis, Edwin Parizon, qui était ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui m'avait aidé. Malgré ça, j'étais galéré en pile. Donc, imagine, au coup, il y a une période où tu es souvent pour. Ou collecter soit un corps pour vous payer conteneur soit un gouvernement mais nous pensez de façon gratuite en fait les collecter dans l'eau non mais nous pas qu'on est nous faut payer conteneur là il faut payer conteneur il faut payer qui est-ce qui a pris le pot gratuitement sauf si je trouve une institution qui a pris le pot après faut payer soit gain et franchise faut payer frais de douane après frais de douane le temps que vous dédouanez donc le coût d'entreposage, côté où entreposer, il a suivi ben, la voie à Fort-Pil. Et bien après, l'offre d'éloigner le Sikounias, ben, on va bouer pour le sud. Donc, il faut penser à comme si les chauffeurs, camions, sécurité. Oui, mais tout ça, c'est des gros coûts supplémentaires. Mais est-ce que tout à fait. Donc, c'est pour ça que moi-même, moi, je dis ok, c'est vrai que nous sommes, nous, envie d'aider et puis nos besoins. Si nous avons comme les mieux que nous voulons, et puis nous y acheter sur place. Si nous joignons et aide comme si Cap voulait pour nous, même j'en ai fait au mois d'août dernier, j'ai côté matériel, j'ai passé par le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères français, que l'Union européenne était affreux, ton avion voulait matériel, j'ai voulu quelques tonnes de matériel que j'avais eu grâce à la présidente Valérie Pécresse, que j'ai côté à l'hôpital. Non, contexte ça, ou qu'a fait comme ça. Mais si vous n'avez pas garantie de franchise, ou pas de moyens, entre guillemets, pour payer 5 ou 6 000 euros du conteneur, il faut réfléchir à deux fois avant de se lancer, en fait. Avant de se lancer, puis des fois, comme ça, il est peut-être même plus utile, mieux que, voilà, que dépenses ou pas le faire. Il faut être sûr que dépenses soient faites, moins importantes que comme. En réalité, moi, matériel, j'étais estimé presque à 400 000 euros et puis la revanche était pour moi à l'époque. Donc, ça, c'était du passé. Mais en même temps, c'est que nous sommes sensibles, nous sommes formés, nous sommes amis, et puis nous sommes haïtiens. Donc, automatiquement, on a envie d'aider. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être une chaîne de solidarité, se mettre ensemble pour pouvoir faire une force, entre guillemets, et puis trouver. Joindre le gouvernement entre guillemets pour dédouaner parce que ça c'est notre bail parce que sous pas une France sous pas qu'à dédouaner et donc je comprends je comprends en tout cas moi-même personnellement affecté et puis pas dit que j'appelle à la prudence non mais comment dire je le repasse au qu'on est oui, passé maladie qu'on passé maladie qu'on va ailleurs c'est ça que fait mais en même temps on comprend que tout le monde en vit fait tout le monde en vit les autres de la caillou donc c'est tout à fait normal de vouloir aider quoi. Ok, très bien. Alors, nous allons faire un petit marché toujours pour nous faire mon nom et où est région. Bon, moi, je vais faire toute région. Oui, non, mes amis, je vais faire mon nom pour faire un guider. Nous avons une grosse salle d'attente. Oui, le fait non, pas de moitié. Ok, ça c'est l'accueil. Il y a deux niveaux. Il y a ce bâtiment, il y a l'autre bâtiment et puis il y a des mystiques. Ah, ok, la région Île-de-France, on a deux bâtiments. Ça, on est dans la première bâtiment. L'autre. Il y a l'autre bâtiment qui est derrière. Voilà, exactement. Ok. Alors là on a Simone Veil
Alors, en gros, déjà, voilà, oui, quand on parle de Simone Veil, c'est clair. Pour les gens qui ne connaissent pas, pour les gens qui vont entendre peut-être la première fois le nom de Simone Veil, on ne sait jamais parce qu'on est regardé de partout. Grande dame, la loi janvier 75, interruption volontaire de grossesse, choix, enfin, pilier, femme voyante. C'est voilà, une dame qui est entrée dans le Panthéon, d'ailleurs. Que Joséphine Baker va rentrer tout en novembre et au Panthéon. Donc, oui, femme, parce que nous connaissons femme, c'est Potomitan. Et dans toute culture, dans tout pays pratiquement. Ok, qu'on est à nous, c'est après tout, nous sommes 14 août pour nous qui sommes allés comme ça. Maintenant, et quel conseil que ou même au Kabaï, nous avons pris le plein au niveau du gouvernement, nous avons et nous avons commencé à plein que. Est-ce que aide à privé bon côté yo côté touché yo qui s'occupe de ça, comment diriger, et yo dit en pile instance internationale pas voulait passer par le gouvernement, yo voulait passer par des ONG connues, reconnues internationalement. Il y a une chose qui est simple, au fait, ou non pays par exemple, ou en France, ou qu'on va quelque organisation qui travaille avant que on financer ou financé, qui basé en France, automatiquement, l'institution française a toujours voulu passer par eux. C'est tout à fait... Ah, ok. Il y a un peu de monde qui va comprendre, mais c'est pour que raison ça qui fait que le gouvernement... Non, parce que leur habitude de travailler comme on passe avec... Non, après, on ne doit pas avoir suffisamment de recul pour savoir ce qui a été fait. Et c'est ça qui fait toujours mettre un bémol, entre guillemets, sur, sur l'aide ou bien sur, sur les ONG. Parce que, plus de fois, on dit, ok, moi, bah, je ne sais pas moi, telle structure, la Croix-Rouge, j'ai donné 100 000, j'ai donné 200 000, j'ai donné un tel 100 000. Ils ne sont pas dit la Croix-Rouge qu'au besoin, qu'au bail 100 000 par exemple pour Haïti, que vous voulez le flécher uniquement sur Haïti. Ok. Donc ça veut dire la Croix-Rouge, il doit faire ça, il doit aller dans tout le pays, il doit aller au Liban, il doit aller. Ah oui. Et ben oui, ils ne sont pas fléchés, ils ne sont pas dit c'est pour aide pour Haïti. By Fondation de France. Par exemple, même si vous dites c'est pour Haïti, par exemple, vous dites tout, on aide 200 000 euros à une fondation pour Haïti. Mais si vous dites qu'il est pour Haïti, vous ne précisez pas que vous voulez que l'aide la fléchée sous uniquement sur ça que vous faites dans le sud-là. ONG Sahagin doit décider le faire. Si c'est pas elle a fait cité solaire, il fait cité solaire. Si c'est pas elle a fait grand bois cognon, il fait le grand bois cognon. Si c'est pas elle a fait l'asile, il fait l'asile. Si c'est pas elle a fait. Donc, du coup, il faut. C'est une question de culture, de connaissance aussi. Il faut toujours dire, enfin préciser. En tout cas, moi, personnellement, je toujours prends soin de faire attention à ça. Exactement. Si je me dis, je vais en ONG, je travaille avec ONG, j'ai besoin. Ils ont garanti. Et puis, cette clause, c'est-à-dire que c'est uniquement pour. Le territoire touché, quoi. Ça veut dire si c'est Yodou, si c'est pour Liban, pas qu'à bailler tout Liban, si c'est pour construction, non l'école, non zone, faut préciser, parce que sinon, ONG a son fonds commun, au fait. Ok, alors c'est très important de bien... Mais quand le monde qui va prendre ça, ou bien qui va prêter attention à ça, qui dit oui, ou bien ONG comme, et puis ONG a mon nom sur de la jeune, et peut-être juste son petit caca à rendre. Une miette. Et puis, donc oui, donc on a fait le méfiance, on a fait le... quand tu as l'habitude de travailler avec des ONG ou subventionner des ONG, ça, automatiquement, tu as plutôt tendance à voter aide pour ONG, ça, parce qu'on déjà travaille avec eux, sur le territoire, en tant que pays. Et puis, autre chose aussi, bon, quand puis l'association dans la communauté, nous connaissons chaque haïtien une association. Et nous beaucoup. Nous en pile, et puis rapport d'activité, nous, et pas forcément. Mais par contre, gros force de frein. Exactement, on peut aussi dire que, par exemple, une collectivité, pas vrai, elle dit. Moi, le voter 20 000 ou 30 000 euros pour mon association qui, lors du rapport d'activité, il y a 200, 300, 400, 500 euros sous compte association. Hein. Okay. Donc, c'est une culture. Et puis, c'est vrai que. Grand pile association. Ok, mais qu'on y a. Et l'autre question, nous avons envie d'éclaircir pour mon nom. Maintenant qu'on a fort, en fait, quand on a demandé aide là, qui c'est un gouvernement qui a demandé aide là, qui c'est une association, c'est que c'est très important de bien d'être clair dès le départ, en fait. Comment demander, quand on veut l'aide, ça affecter pour qu'il soit demandé. Non, mais en fait, par exemple, je prends le cas, là, à Haïti, par rapport à ce qui vient d'être le tremblement de terre, je m'occupe de la coopération internationale depuis peu, en plus de résidence d'écrivain, cinéma, bah, ça. Okay.
moi, je vais voter en aide pour Haïti. Moi-même, j'ai décidé de travailler avec Médecins Sans Frontières parce que moi, je suis avec l'ambassadeur de France en Haïti, José Gomez, qui dit que Médecins Sans Frontières souterrain là pour un travail. Et puis c'est vrai, Médecins Sans Frontières, bon, dans le domaine médical, ils ont été collés dès le départ. Moi, je prends contact avec Médecins Sans Frontières. Moi, je dis, moi, je voulais voter en aide 100 000 euros pour organisation. Moi-même, je voulais garantir que et 100 000 euros que nous-mêmes n'avons pas là au niveau régional, 100 000 euros ça pour aller pour le sud, pour ça qui passe dans le sud là, et non pour tout ça qui a passé, parce que 100 000 euros par exemple, c'est rien, c'est chaque collectivité, il m'a raconté, c'est Mgomery là, parce que pour pas qu'être amis et magistrats, enfin, comme on dit en Haïti, les maires, députés, et qui veulent donner, si m'orienter eux, je suis sûr que, et comme là, on va aller pour le sud, et non pour l'ensemble de toutes les actions en Haïti, même si nous connaissons Haïti a besoin de tout Haïti besoin, au fait. Ok, Anes, pour nous finir, un petit mot pour le monde sud, pour le monde Jérémy, le monde qui touché, le monde qui parle regarder live là, trois mois après, moi, deux jours après. Comment dirais-je, pour moi, très solidarité, c'est ça mon cas dit, solidarité. Et moi-même, toujours, entre guillemets, personnellement, toujours mobilisé, toujours campé pour me porter secours PAM à hauteur de mes possibilités. Je sollicite un paquet de monde, un paquet de amis d'Haïti qui est très sensible. Et puis, après, bien aide ça. Et puis, bon, comme nous toujours voté, aide pour Haïti. Et puis, après, sur le long terme, qui ça nous a fait, ça me dit force et courage parce que. Problème en pile, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000, c'est pas 300 000, c'est pas 400 000 euros qui va le retirer nous dans tout problème, toute situation qu'il a. Anne-Louise, vous utilisez le mot le long terme souvent, beaucoup, vous avez utilisé le 3-4 fois. Et mot ça, son mot qui est très important pour vous. Alors, à chaque fois, moi, après, on va parler, on va dire le long terme. Et comment c'est résolu? Comme si vous parlez, vous venez faire course pour aller courir. Oui, et puis, 4 mois après, et puis, vous parlez de. Haïti besoin d'aide sur le long terme, un bagage qui est structuré. Regardez, moi, en 2008, mon Haïti m'a pris de bagage. Vous avez un Jeanne, Ike. 2010, mon Haïti m'a pris de bagage. Covid-19. Covid-19. Avant ça, Mathieu, nous voter aide dans le conseil régional là. Et. Pour Haïti. Bien sûr que c'est comme si on l'a blessé et puis on met un petit bail sous un petit alcool la pico et pour mettre un petit bail sur les qui a adouci, mais on peut aussi cicatriser. Cicatrisation prend du temps et puis clemzy sur le long terme, on comprend tout le monde et tout le monde a envie de faire, tout le monde a besoin pour te manger, pour tes draps, pour tes tentes, ce qui est tout à fait normal. Mais si, si nous prenons comparaison entre 2010 à nos jours, on a regardé l'état. Et t'as pas au point, c'est-à-dire que nous connaissons nos besoins de temps pour construire Bagayo et puis c'est repenser Bagayo. Donc ça ne peut être qu'une aide sur le long terme, une aide bien réfléchie, bien pensée, en termes de développement durable, en termes de. Et pas nécessairement parce qu'on a un gros cas là, on a besoin de gros cas là. M'a regardé et en dehors, il y a deux petits cas. Qui campait dans le petit caillou, qui a fait petit caillou, fait avec roche, un petit peu de roche, la chaux, tif. Exactement, bois, et puis. Le building mette, même, dans ciel, la gâte. Et puis, comme il y a chaleur, il faut éviter que la chaleur abatte, il met un petit bois en l'air qui font une espèce de galta. Exactement. Il n'y a pas là, c'est pas. Il y a grand monde. Bon, je dis ça comme on est. Galta, ou là, qu'on gomme au bureau là. Non, mais. Nous avons fait une mission solide, galta. Galta. Galta permet tout qu'il y a eu frais. Je me suis dit que mon papa qui a 107 ans. Et donc, c'est pas un peu entre guillemets. Et il y a grand monde. Bon, comme on dit française, moi, je me suis dit. En tout cas, il faut faire merci que vous faites déplacement. Là, non, c'est moi-même. Merci pour bel accueil ça. Ça a toujours répondu solidaire à Haïti, comme il était toujours fait. Après le tremblement de terre, il était ministre de l'enseignement supérieur. Il a voté près de 400 bourses par les jeunes haïtiens. Et actuellement, c'est les mêmes qui président de la région Île-de-France. Pour l'instant. Et puis, il a gardé pour nous piquer devant. La belle. Je crois que c'est ce mot, ça a fini. On a profité, saluer et remercier tout le monde qui fait nos plaisirs branchés via YouTube, Facebook et bien sûr Twitch Live. Nous te gagnons avec nous. Anne-Louise Mesadieu qui te recevoir nous dans la région Île-de-France, journée aujourd'hui, pour nous faire un petit attendre sous tremblement de terre là et sous expérience li, lui-même aussi, qui est pas oublié en 2010, qui est parti avec 6 containers et en pile embûche, en pile difficulté.
c'est important de mettre toute compétence ça yo, tout savoir-faire ça yo auprès de la communauté et puis monde qui connaît après les aussi et sur téléphone via WhatsApp dans tout le groupe qui a posé la question. Je dis à l'été bon un petit temps pour me joindre là en direct dans la région de l'Île-de-France. Anneuse, merci. Un petit mot pour terminer. À Fofo Musique et puis courage à nous tous, tout haïtiens sensibilisés pour cause là. Donc que dire, oui, force et courage et puis pour mon Dieu parce que gain mon encore dans les décombres et on va gagner le choix que nous penser avec vous et puis ça nous a fait n'a fait en tout cas moi personnellement ça m'a fait beaucoup côté PAM et m'a fait pour compatriote PAM compatriote haïtien côté pays côté code l'ombre qui m'a été coupé donc c'est tout à fait normal pour pays côté code l'ombre côté coupé c'est tout à fait normal d'apporter mon job haïtien quête non mais c'est comment dire t'as une série de paroles on n'a pas fait 10 ans dans live là non mais merci paroles on vous dit merci au courrier non mais merci comment dire et pas bon faut comme toujours dire toujours fait là pour compatriotes moi pour petit orphelin mieux et ouais pour c'est normal bah à la mesure de ça me capable et puis Fofo Musique avant marcher vous connaissez au petit bon moment ça c'est au numéro 1 très bien ok merci tout le monde qui t'a fait nous plaisir et branché n'a pas bloqué puis la région de France on a nous mes adieux avec nous. Il est important pour nous finir sous belle image là. Simone Veil, important pour nous terminer sous les grandes dames. Ok, nous finis là. Nabjo, merci, ou même qui te fait nos plaisirs, suivre, brancher sous live ça. Nous, à fond, une visite guidée pour vous dans la région là, côté montre plusieurs salons. Là, nous avons un salon Simone Veil. Côté Walmaké là, venez. Là, Simone Veil, grande dame. Ok. Nous avons fait une visite guidée pour nous dans la région Île-de-France. Nous remercions tout le monde qui a fait nos plaisirs branchés. Nous avons rappelé que vous êtes sur Radio Télévision Fofo Musique. N'oubliez pas de suivre sur Twitch, n'oubliez pas de suivre sur YouTube, n'oubliez pas de suivre sur Facebook, n'oubliez pas de suivre sur Instagram et n'oubliez pas de l'abonner à la chaîne YouTube. Non. Très bien, c'est là nous campons, c'est là nous finissons. Nous, dans la région Île-de-France, nous finissons avec notre ça pour vous. Saint-Ouen, Île-de-France, 21 degrés. Ok, mesdames et messieurs, nous quittons là, nous disons ciao, bye bye, à une prochaine fois. Nous avons quitté sous belle nom, ça, une grande dame. Nous avons parlé bien sûr de Simone Veil. Ciao, bye bye.